Il est bien arrivé, il est là avec nous, Jacques Marcel Henry. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour Sam. D'abord, puisque vous allez avoir droit, hein, puisque chaque invité en cette année 2019, nous lui demandons bien évidemment d'abord ses voeux à la population mahoraise, aux habitants de Mayotte. Quels sont vos voeux? Qu'est-ce que vous souhaitez en tout cas pour cette population en cette année 2019? Que la paix nous accompagne durant toute cette année. La paix. La paix. La paix. Ouais. On Ah a bien ben, besoin, on en très a bien bien. besoin. Ben, très bien, on en a besoin également. Alors, avec vous, Jacques Marcel Henry, on va revenir sur le port de Longoni, puisque il y a encore du rififi. On le sait que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas prête d'en finir. Samuel Bocher, une première question pour notre ami Samuel Bocher, pour Samuel Bocher. Voilà, je vais y arriver. Jacques Marcel Henry, oui. Le tribunal administratif a rendu 17 jugements le 21 janvier dernier, rendu public le 24. Sur les 17, 15 sont favorables à Mayotte Channel Gateway, et j'avais envie de dire de manière très favorable. Notamment un jugement qui me paraît très très important, qui confirme le retrait de l'agrément de la SMART sur le port de Longoni et aussi le retrait de l'autorisation d'occupation temporaire de la SMART à la vallée 2 du port de Longoni. Est-ce à dire aujourd'hui que la SMART est morte et ne peut plus travailler au port de Longoni? Oui, juste un petit rectificatif sur les agréments. Le tribunal administratif a dit clairement que pour exercer une activité de manutention, on n'a pas besoin d'un agrément. Donc, Manuport n'est pas obligé d'avoir un agrément, ni la SMART, pour exercer une activité de manutention. Or, vous avez suivi toutes les histoires que le Conseil général a fait en ce sens, allant jusqu'à annuler l'agrément de Manuport et interdire les agents de Manuport d'exercer. Et dans cette affaire, il faut distinguer les agréments et les AOT, les autorisations d'occupation temporaire. Les AOT sont délivrés par le délégataire, Il y a Channel Gateway en Mayotte l'occurrence. Channel Gateway. Et en ce sens, le conseil général a été condamné pour s'être immiscé dans la gestion et dans les compétences du délégataire. C'est le délégataire qui organise l'activité de manutention sous sa responsabilité. Et c'est en ce moment-là qu'on peut parler des autorisations d'occupation temporaire. Les occupations temporaires obéissent à des règles fixées par le délégataire, mais aussi par le code de transport maritime, mais aussi par la convention de la DSP. Et la SMART a signé le 23 décembre 2015 une convention avec MCG qui lui permettait par la suite d'être attributaire de cette autorisation d'occupation temporaire par MCG. Et dans cette convention, il y a des conditions que la SMART n'a pas remplies et n'accepte pas de remplir. C'est en ce sens qu'ils ont saisi le tribunal de commerce Le commerce, qui hein. a débouté la SMART en confirmant l'annulation de ces AOT pour manquement à leurs obligations contractuelles, mais aussi le tribunal administratif qui a rejeté la demande de la SMART. Il faut dans ces deux affaires, c'est la SMART qui avait Tout saisi à fait. le tribunal, a rejeté la requête de la SMART et qu'aujourd'hui, la SMART n'a pas d'autorisation d'occupation temporaire. Il appartient au délégataire d'agir. Le conseil général nous avait saisi pour proposer des solutions afin de sauver les emplois des salariés de Tout à la fait. SMART. Une proposition que Madame Nel a formulée officiellement et adressée au conseil général. Une reprise totale des Voilà, salariés, des des dockers de la salariés Smart. pour qu'il n'y ait pas de chômage. Parce qu'on sait que ce sont des pères de famille ou des mères de famille. On sait que ce sont des agents qui ont fait des emprunts bancaires et qui, s'ils perdent leur emploi, vous savez, quand la banque vous donne de l'argent, elle hypothèque votre terrain.
Donc, ils risquent d'être privés de leurs biens. Donc, nous sommes conscients de ces problèmes que ces agents peuvent subir. Nous sommes conscients et nous avons une compassion à leur égard. C'est pourquoi Mme Nel a proposé des solutions. Mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, le Conseil général n'a pas réagi favorablement aux propositions que Mme Nel leur a formulées et que MCG ne peut pas du tout prendre la responsabilité sur la mauvaise gestion de la Smart. Il faut distinguer les emplois qu'il faut sauver et une entreprise qui est en difficulté, qui est aujourd'hui dans une procédure de redressement judiciaire. Excusez-moi Jacques, je vous coupe, mais vous ne répondez pas à ma question. Très clairement, pour nos auditeurs et téléspectateurs, quelle est la situation de la Smart aujourd'hui, juridiquement, au port de Longoni? Peut-elle continuer à travailler? La Smart est dans l'illégalité totale. Et les gens négligent cet aspect parce qu'il en va de la responsabilité pénale du délégataire. Lorsque vous avez une société qui ne remplit pas les conditions pour exercer une activité de manutention portuaire, une activité très dangereuse, il y a une responsabilité pénale qui pèse sur le délégataire. Si Mme Nel n'arrête pas l'activité de la Smart et qu'un problème surgit, ce n'est pas le préfet qui sera responsable pénalement ou le président du conseil général. C'est pas eux qui iront devant le tribunal pour se justifier. C'est Mme Nel qui engage personnellement sa responsabilité. Vous avez parfaitement raison. En attendant, dans la proposition qui a été faite par Mme Nel au conseil départemental et au président Skobahadine, elle a mis un ultimatum et une échéance. Oui, une échéance. Est-ce que cette échéance va arriver à terme à partir de demain? Et moi, je lui conseille, en tant que son conseiller technique, je lui conseille vivement d'agir parce qu'elle ne peut pas engager sa responsabilité pénale. Vous savez, lorsqu'il y a eu le camion qui est tombé avec un chauffeur épileptique et qui est embauché par une entreprise qui n'appartient même pas à MCG et que MCG ne contrôle même pas l'activité de cette entreprise, aujourd'hui, Mme Nel est inquiétée par la justice. Sa secrétaire a été, qui est sa collaboratrice, a été enquêtée, a été convoquée au tribunal pour s'expliquer et cette affaire est aux mains du procureur. Donc la responsabilité pénale qui pèse sur Mme Nel dans cette affaire est très lourde. Combien de gens sont morts au port? Combien de gens? Avant, les gens fermaient les yeux. Vous imaginez, vous souvenez de l'entrepreneur de Stada qui était tombé dans le bâtiment là et qui est décédé sur le coup? Combien de gens sont morts en exerçant une activité de manutention au port? Combien de gens sont blessés? Combien de gens sont infirmes aujourd'hui? Mais avant, les gens fermaient les yeux. Aujourd'hui, personne ne ferme les yeux. Les gens vont au tribunal pour revendiquer leurs droits. Combien de fois les gérants de la Smart ont été interdits de gérer une entreprise par rapport à ça? Je reprends un peu la question de Samuel Bouchard. C'est vrai, cette échéance arrive demain, le 31 janvier. Mais on parle un peu d'humains. On parle de ces gens qui vont perdre peut-être leur travail. Il y a eu une réunion récemment avec la préfecture et le conseil départemental. C'est vrai, tout ce qui est sorti, c'est pas encore positif. Mais on pensait que des propositions allaient être trouvées pour soit garder la Smart, soit trouver une solution. La préfecture et le conseil général, les décisions du tribunal sont très claires. Le conseil général, qui est l'autorité déléguée, ne peut pas s'immiscer dans les relations entre le délégataire et les entreprises qui travaillent au port. Et comment ça se fait maintenant que le préfet s'immisce dans ces affaires-là? Lui qui est mandaté pour préserver le droit, pour exercer un contrôle de légalité sur les actes pris par les collectivités locales et les arrêter. Et voilà, c'est lui qui organise des réunions et qui envisage même de signer un protocole dans lequel ils disent clairement qu'ils vont s'orienter
vers CMA-CGM pour qu'on donne plus de bateaux à la SMART, alors qu'ils savent très bien que la SMART, aujourd'hui, les tribunaux l'ont confirmé, que la SMART est dans l'illégalité totale. Comment le préfet peut-il cautionner ça? Et là, il se rend coupable de complicité d'une infraction pénale. Jacques, on le sait que si aujourd'hui il y a eu ces propositions, Jacques, c'est pour qu'il éviter qu'il soit préfet, c'est pour qu'il éviter soit qu'il gouverneur, y un autre blocage qu'il au port. Soit délégué, il remet en cause le droit de la concurrence. L'administration ne peut pas s'immiscer dans les relations d'affaires, sauf s'il y a carence de l'initiative privée, ce qui n'est pas le cas. Le préfet s'inscrit dans l'illégalité totale. Et ça, on le dénonce fermement. Alors, je repose ma question. Que va-t-il se passer demain pour la SMART au port de Longoni? Moi, je conseille à Mme Nel d'agir. D'accord. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'à partir de demain, elle a une compassion sur cette affaire-là. L'objectif, c'est préserver les salariés. Elle a fait une proposition. Jusqu'à maintenant, elle a pas. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse. Mais elle ne va pas engager sa responsabilité pénale parce qu'il n'y a pas de réponse. Moi, en tant que son conseiller technique, je lui conseille vivement d'agir. Est-ce que demain, à partir de demain, on verra plus la SMART au port de Longoni? Je lui conseille vivement d'agir. On va attendre demain et de prendre en main les décisions afin de préserver le droit et de préserver sa personne, parce que elle n'ira pas en prison pour des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Autre question et autre jugement, c'était sur les une valse des arrêtés sur la grille tarifaire au port. Sur les prestations qui sont fournies par Maya Channel Gateway et les sociétés. Aujourd'hui, les transiteurs, importateurs, commerçants, et surtout c'est le syndicat des transiteurs, saisit le conseil départemental pour lui dire mais où en est-on? Quelle grille et quel tarif devons-nous appliquer? Ils ne savent pas quelle grille appliquer, quel tarif appliquer. Quelle est la grille qui est en vigueur aujourd'hui? Les seuls tarifs qui posaient problème, c'est les tarifs des grues et de RTG. Les autres tarifs n'ont jamais souffert de litige quelconque entre le département et MCG. Donc tous les autres tarifs sont en vigueur. Aujourd'hui, c'est les tarifs. Le tribunal a annulé. Parce qu'il faut savoir que le Conseil général avait validé les tarifs qui étaient visés par le Conseil portuaire sur les grues et RTG. Et puis, par rapport à l'intervention de la préfecture, à l'époque, c'était pas Badé Bolos, et le directeur de la DIACT, d'ailleurs, qui ont envoyé un courrier qui a été d'ailleurs retoqué par le tribunal illégal, et que le Conseil général a retiré cet arrêté-là. Donc l'arrêté qui retirait l'arrêté qui validait les tarifs de grue et RTG a été annulé par le tribunal. Donc signifie... jusqu'en janvier 2018, c'est l'arrêté du Conseil général qui validait les tarifs des grues et RTG qui s'appliquent d'une manière rétroactive d'ailleurs. Et c'est ça. À partir de cette date, c'est au cas par cas. C'est quand même très compliqué. C'est difficile de s'y retrouver. Hein. Très rapidement. Je suis obligé de changer de sujet, puisque ça vous tient à cœur. Est-ce qu'on reste sur le port de Longoni ou on parle de la régionalisation? On reste sur le port de Longoni. Voilà. Alors, les conséquences aujourd'hui, elles sont directes pour les transitaires. La rétroactivité qui implique... Les tarifs sont très importants sur les grues. Je crois que c'était 10 400 euros par jour de location. Aujourd'hui, on va appliquer cette... Les transitaires ne payent pas. Ils payent de manière indirecte le traitement des marchandises. De toutes les façons, les tarifs qu'ils payent sont publics. Les tarifs aujourd'hui, ils disent qu'ils ne connaissent pas les vrais tarifs. Ils ne savent plus où ils en sont. Et ils ne comprennent pas cette trois activités. Non, ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien. Le tribunal a tranché sur cette affaire. Et ils savent très bien quel tarif ils doivent payer. Alors, si on ne veut toujours pas payer, ça c'est un autre problème. Mais ils le savent très bien. Alors, on va faire une pierre deux coups. Pour la dernière question, on va faire régionalisation et port de Longoni. Oui. Les deux propositions de loi, une organique, une ordinaire, prévoient... la transformation du port de Longoni aujourd'hui en grand port maritime si la loi est adoptée. Qu'en pensez-vous? Vous savez,
le grand port maritime, parce que pendant très longtemps, Salim Nahouda a menti à la population. Il disait que tous les ports sont gérés par les CCI, ce qui n'est pas vrai. Il disait qu'il faut un grand port maritime dans l'objectif d'invincer MCG et Madame Nel Duport. Ce n'est pas dans l'objectif de redynamiser l'économie ou de développer l'économie mahoraise, mais dans l'objectif de virer une personne qu'on n'aime pas pour des raisons purement personnelles. Ça n'engage que lui. Personnellement, il fait de son propre combat un combat de toute île, une île. Mais ça, les Mahorais ont compris. Les courriers du ministère de transport, ministère des Finances et de l'Outre-mer sont très clairs. Les courriers qui ont été publiés en décembre 2017 sont très clairs. Pour qu'il y ait un grand port maritime, il faut que le Conseil général délibère pour se désister, qu'il ne gère plus le port et qu'il remette les clés à l'État. À partir de là, le port devient un port d'intérêt national, c'est-à-dire géré directement par le ministère de Transport. Et quand le port devient un port d'intérêt national, c'est en ce moment-là que l'État peut décider, puisque le port, là, l'État devient l'autorité organisatrice, il peut décider de créer un établissement public géré sous forme d'un conseil de avec un conseil de surveillance qu'on appelle le grand port maritime. Et cela, en aucun moment, n'affecte la DSP qui est en cours. On va juste changer d'autorité organisatrice. Aujourd'hui, c'est le conseil général. Demain, ça sera l'État. Et pour finir, si le conseil général délibère pour se désengager, ils savent qu'ils perdent 6 millions d'euros par an. Sur la redevance des marchandises. Parce que MCG verse 6 millions d'euros de redevance sur les marchandises au conseil général tous les ans. Donc, ils savent qu'ils perdent ces 6 millions d'euros. Il est sage, puisque le tribunal a tranché. Il y a des rapports interministériels. Il y a des courriers des ministres. Qu'est-ce qui nous empêche de rester ensemble et travailler ensemble pour créer les emplois, pour développer le port, pour que le port soit compétitif dans la région, pour que la population n'a plus à vivre ces tiraillements qui n'en finissent pas. Mais en ce qui concerne MCG, il prendra sa responsabilité. Merci beaucoup, Jacques Marcel et Henri, d'avoir accepté notre invitation. C'était tout pour ce temps de parole.